Hello, hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc, on va faire un tirage, le tirage pour le 11 décembre, chiffre 11 important. On va voir ce qui sort. Alors là, on en a deux qui sont sortis, hein. On a le 5, vibration du 11 décembre, on a la carte du 5 et on a la carte du 8. Donc, la carte du 5 qui nous parle de changement, et qui nous dit, je change de point de vue, j'évolue, je considère la situation sous un autre angle, je provoque ou j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort, je m'adapte, je suis agile, j'évite de rester dans une routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Tandis que le 8, en fait, c'est mitigé, j'ai l'impression, cette journée du 11. Et nous avons, en plus, vous avez la carte noire et la carte orange. L'autre avec moi, mon positionnement. Donc, ça, c'est le positionnement de la personne qui va regarder la vidéo. Et vous devez vous dire que l'autre avec vous, alors, est dans une énergie de 8. La personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité. Avoir des difficultés à dire stop, ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir la violence et y répondre en miroir. S'il y en a deux qui sont sortis, c'est un peu... Ah ben regardez, chiffre 11. Je voulais savoir, comme c'est une journée, c'est la journée du 11 décembre. L'énergie du 11 nous parle, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. Voilà le 11. Bon, voilà. Énergie principale pour le 11. On a deux. On a notre positionnement ainsi que que l'autre, la réaction ou l'énergie de l'autre avec nous, hein. Enfin, par rapport à nous. Allez, on va prendre le Bélier, pas le Bélier, qu'est-ce que je dis? L'Estella pour cette journée du 11 décembre 2021. Oh, économie, procès. Journée du 11 décembre. Des fois, mes cartes, elles me parlent d'autres pays, hein. Donc, ça peut rien dire pour nous. Et après, on voit dans les nouvelles que... Maintenant, dans le 9 décembre, les cartes nous avaient annoncé le décès d'un ennemi. Peut-être voir dans chacun, dans nos vies, à nous, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous a un peu fait du mal et qui serait décédé. Essayez de vous renseigner. Alors... Concernant la journée du 11 décembre, hop là, on en a une là. Alors, procès d'une fille sincère. Économie, procès et fille sincère. Je vais en prendre encore deux et on va venir les recouvrir avec les autres. 11 décembre 2021, hein, misère. Ouh, j'en ai plusieurs là. Mais celle-là, elle a volé.
Travail courant, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben, peut-être que je vais en prendre 6, hein, puisque celle-là, elle a quand même volé. Et elle nous parle de mensonges. Qu'est-ce qu'on a ici? Du prix, succès, prospérité, malhonnêteté, naissance. Alors, on a la carte de l'as de bâton qui nous parle d'opportunité de travail. Hein. Et on nous dit ici qu'on a un cadeau. Rentrée d'argent, folie, manière d'être, dévouement. Qu'est-ce qu'on a là? Un égarement, faiblesse, originalité, maladie, ennui, pleurs, éclaircissement, soupçon, embarras, voyage, espérance, ténacité. Bon. Il y a souvent la carte des procès qui sort. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est hallucinant. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres parties du monde? Alors, économie, et on nous parle de présent. On nous parle de procès, et on nous dit qu'il y a de la constance. Et là, c'est la carte des cadeaux. Et on nous dit ici qu'il y a de l'inconstance. Donc, économie, ben, le simple mortel, on a du mal à faire des cadeaux. Hein. Ben, je veux dire, hein, c'est des fins de mois difficiles. Ils viennent de tout augmenter. C'est la période de Noël. On a envie de faire plaisir à nos enfants, à nos proches. Et on se rend. Ben, on a du mal, quoi. Donc, on est obligé d'inventer, d'essayer de trouver des solutions, ne serait-ce que du bricolage, hein, pour faire plaisir aux personnes qu'on aime. Et on nous dit ici qu'il y a de l'inconstance. On va avoir la visite et on va être contrarié. Ce 11 décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a? Une surprise. Que se passe-t-il le 11 décembre? Il y a une pensée. Il y a des mensonges et on y pense. Travail courant et on va avoir une surprise. Avec la carte de la misère, nous avons la contrariété qui vient en plus. Regardez, là, on a le procès et là, on a la misère. Ensuite, une fille sincère qui va vous rendre visite au niveau des procès et des litiges. Il y a de l'inconstance. Économie, solution et cadeau. Idée de cadeau, voilà, comme je vous disais, on va essayer de trouver une possibilité de faire plaisir à nos enfants sans pour autant se tuer. Alors, avec le 77, voyons voir ce que cette journée du 11 nous réserve. Donc d'un côté, pour ceux qui vont regarder la vidéo, on a la carte de l'évolution. Et ah ben on en a deux. Regardez, procès, inconstance, mais on va faire la lumière. On va apprendre quelque chose concernant des procès. Économie, on nous dit qu'on est on économise au niveau des cadeaux. Ben oui, des décorations de Noël. Des achats de Noël. Et là, qu'est-ce qu'on a? La carte de la coucherie. Qu'est-ce qu'elle a, ma carte? Elle est tombée dans la cire. Oh, la pauvre. Alors, quoi d'autre? Fille sincère. Avec le 3, 4, 5, 6. Non, 6, 7, 8. Le 8 de coupe, on a envie de. On a envie de fuir, hein, on a envie d'être ailleurs.
Ici, on nous dit fils sincère, mais le 8 de coupe, on a cette grosse envie de ne pas être là et voilà. Ici, on nous parle de protection. Maintenant, ça peut être protection occulte, comme ça peut être une protection divine. Alors, misère. Misère et contrariété. Ailleurs, on a des coucheries, on a des lumières qui vont. Enfin, on va faire de la clarté sur cette situation de coucherie, ou d'aventure, ou de sexe, ou je ne sais pas moi. Mais il y a quand même une protection. Maintenant, à savoir si elle est bonne ou mauvaise, la protection. Alors, il neige chez moi et chez vous. Voilà, on a un blocage, hein, par rapport à certains procès, à misère. Et ici, on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de contrariétés. On a des blocages. décembre 2021. On a le retour en arrière avec cette carte de la surprise. On est obligé de retourner dans le passé. Peut-être que la solution est dans le passé et qu'on ne l'avait pas vue. Ou alors on veut retrouver une situation du passé, conditions de travail du passé. Quoique ici on a une protection, mais on est bloqué. Bloqué pourquoi? Je ne sais pas. On nous dit de retourner voir dans le passé. Un petit comeback. Et là, on va entendre parler de mensonges du passé. On a la carte des pensées ici. On pense qu'on va entendre parler de mensonges, mais c'est une confirmation. Avec la carte, on va en entendre parler. Et là, on a la carte de la signature. Signature pourquoi? Je vais la mettre ici. On a un accord là. Journée où on va faire la clarté, le 11 décembre. On nous dit qu'on est protégé. Protégé. On a la carte de la visite aussi. On a le blocage. On nous invite à retourner dans le passé sur ce qu'on a bien pu entendre dire. Et là, avec la carte de la signature, on a. Enfin, la signature, c'est un accord, hein. Je vais savoir c'est quoi cette signature. Signature, signature. Ben, ça ne veut rien me dire. Donc on va couper. Hop là. Élévation spirituelle. Et là, qu'est-ce qu'on a? Signature, jeunesse, communication. Justice. On a de nouveau la coupure, coupure avec la sagesse. Les choses qu'on ne sait pas. Et on tourne le dos avec triomphe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Élévation spirituelle. On nous parle de solution. On est sur le bon chemin. C'est le succès. On a la clé. On a l'amour. Enfin, on a les cœurs. Maintenant, c'est. Je ne sais plus si c'est réconcilié. Elle fait beaucoup de cœurs. Hein, mais hop, ça. Je me perds dans les cœurs.
Alors, le 64, ça doit être une réconciliation, hein, si je ne me trompe point. 64, réconciliation, j'ai bien raison. Et le 43, divine, occulte, voilà, protection divine ou occulte. Donc ici, on est sur la bonne voie. Élévation spirituelle, chance, solution, trésor. On nous parle de nouveaux projets ou d'enfants. Ben, l'enfant, quand il est en gestation, c'est secret, hein, c'est rien de lui, mis à part quand on fait les échographies, hein. Donc, il y a peut-être l'arrivée d'un enfant, hein, ici. On est dans la demande et on nous parle de choses qui arrivent de façon soudaine. Conditions, enfin, concernant la santé, on nous parle d'argent et on nous dit qu'on vient mettre un terme à une union. Voilà, bon. Cette journée, si elle vous parle, n'hésitez pas à venir nous en parler. Alors, on nous parle ici d'avoir envie d'être ailleurs pour cette journée du 11. On nous dit qu'il y a, pour certains, hein, je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages. Donc ici, par rapport à une situation de sexe, hein, puisqu'on a quand même la carte du lit, on nous dit qu'une lumière va être faite, hein, on va mettre à la lumière du jour, hein, peut-être, cette situation. Et on nous dit que vous êtes protégé, mais vous avez des blocages. Et on vous conseille d'aller, enfin, de vous souvenir, hein, puisque ici, on a le retour dans le passé, par rapport à des choses que vous avez entendu dire. Et là, on vous parle d'accord, de signature et de réconciliation. Dans cette situation ici, on nous dit que y a des cadeaux, mais c'est inconstant. C'est comme si maintenant, vous aviez l'habitude de recevoir des cadeaux. Et que maintenant, ça devient, on va dire, dans le travail avant, on avait une prime de fin d'année. Avec la petite prime de fin d'année, ben, juste avant les fêtes, dans mes souvenirs en tout cas, ben, notre patron nous préparait un petit sac avec des petits cadeaux, ben, des petites bricoles, hein, une petite boîte de biscuits, une petite boîte de praline, un jus de fruits. Bon, c'était le geste du patron envers ses employés, c'était pour nous souhaiter des bonnes fêtes. Et puis avec le temps, ça s'est perdu. Il y avait des réunions, tous les employés se retrouvaient dans un restaurant et voilà, il y avait le patron invité au restaurant une journée, enfin une soirée. Ben, ça aussi, ça s'est perdu. Un petit cadeau du patron et au niveau pécunier et qui s'est perdu aussi. Donc voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça nous parle de ça. On nous parle de cadeaux, mais qui deviennent inconstants. Bon, maintenant, le commun des mortels n'a plus du tout ça. Maintenant, c'est peut-être à un plus haut niveau qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont plus les mêmes avantages, peut-être. Alors, ici, on nous parle de visite, mais ça sera une visite contrariante puisque vous avez envie d'être ailleurs. Et la contrariété, c'est aussi qu'on vous parle de misère, mais aussi, la carte de la misère annonce aussi la prison. Maintenant, c'est peut-être aller voir quelqu'un qui est en prison. Ici, nous avons le travail courant et nous avons la surprise, le mensonge et la pensée. Vous pensez à tous les mensonges qu'on vous a bien pu vous balancer. Bon, voilà, je vous laisse. C'est le message de ce 11 décembre. Voilà, c'est ça.
Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt avec un autre sujet.